Wesh, Zizuki, j'espère que vous aimez bien, en tout cas ça va super. Nouvel épisode de Pokémon Diamant Aslan. Le 24, il me semble. Ouais, je crois que c'est le 24. Bon, on a la deuxième partie de la tour du tour. Je pensais que ça allait prendre qu'un épisode, mais finalement non. Donc comme d'habitude, n'oubliez surtout pas le like, le partage et l'abonnement, ça ferait ultra plaisir. Des vues constantes, on est pas mal, on est pas mal. Enfin bref, là on va continuer. On était arrivé dans cette partie de la grotte, on était en dessous. Donc on va continuer notre exploration. Là on peut pas visiblement, on peut rien faire. Tac. Un kinésis. Je peux voir le passé. Que frère. On finira à la battre. Emilia Kinésis veut se battre. On envoie un corillon. Ok, on va mâchouille. Là, on finit ça assez facilement. Le problème, c'est l'éviator, il a presque plus de PP, du coup, on va devoir switch. Ouais, pourtant, il nous carry très très bien, l'éviator, hein, mais il a presque plus de PP. Et Karmash, je pense qu'encore un épisode, il évolue. Eoko, c'est type psy, mais il me semble pas qu'on en a vu encore dans l'aventure. Ça va faire un nouveau Pokémon dans le Pokédex, exactement. On n'a pas encore vu, c'est justement parfait. La réductor, bah, c'est les Pokémon qui nous manquaient, visiblement. C'est parfait pour nous, hein, j'ai envie de te dire. Extra senseur. Normalement, ça va. Ah non, quoi? Ah! Merde! Non! Ah d'accord, je pensais pas qu'il allait mourir en fait. Je pensais pas qu'il allait mourir, même pas du tout, j'étais pas sûr. Et bah attends, il meurt pas, mais en fait si, visiblement. Bien joué Karmash. Bon, mon Karmash fini. C'est pas trop mal. Clac, Karmash 47, on y est presque, plus qu'un level. Bah cet épisode normalement ça devrait être bon. Clac, ok, on a battu la dame. Mais on a l'éviteur qui est dead. Ah, ok, là on a un top dresseur. Là on peut cascade. Tac. Ok, on a un autre dresseur. On a un autre notre cascade. Ok, on va faire un peu les dresseurs en attendant déjà. Par là. J'aimerais juste vérifier qu'est-ce qu'il y a par là. Parce qu'on n'est jamais sûr de rien. Ok, ça veut dire qu'il y en a deux. Deux top dresseurs. Deux top dresseurs, c'est pas mal d'XP. Il y a quand même pas mal de dresseurs à faire hein, entre nous. Visiblement. On va passer super brasse devant. On va y aller. Ok, deux top dresseurs qui veulent se battre. C'est parti. Un combat duo. Deux Pokémon en plus. Ça va, c'est. C'est soft, soft. Charmina et Léviator. Ok, let's go, let's go. Ok, let's go. Donc, on va acrobatie sur le Charmina. On va psycho sur le Léviator, surtout. Est-ce qu'on tue? On tue pas du tout. Même pas du tout. D'ailleurs, on est loin de tuer. J'ai pas encore réfléchi pour le Alakazam. Hein. J'ai pas encore fait. De toute façon, on n'est pas arrivé à la ligue encore. Donc bon. On a encore du temps. Aïe. Aïe, dans ce Dracusa. Il augmente sa vitesse. Est-ce qu'il pourrait pas attaquer en premier ou prochain tour? Je sais pas trop. Puisqu'il est boosté. Je sais pas trop. Mince, avec ça on tue pas. Hein. Avec ça on tue pas. Avec l'acrobatie on tue pas du tout. On va essayer d'attaquer Stabé. On va voir ce que ça donne. Yes, ça passe. Ça passe. C'est une meilleure idée, je pense, que faire ce qu'on a fait tout à l'heure. Pas enfin, non, en tout cas pour le moment présent. Donc niveau 56. Let's go. Et Gazou sur la shop si les détonnent toujours pas plus rapide. Ah mince, j'ai déjà psy, j'ai pas psy, ok, bon, c'est pas grave. Soit il meurt, pas de soucis. Clac, ok.
27 000 Pokédollars. Ah ouais. Là, j'aime beaucoup ce qui se passe. Voilà, on remonte. Ah, la Pokéball, ouais. Un super bonbon. Parfait. Enfin, on va pouvoir monter de niveau encore une fois notre Karmash. Pas maintenant, parce que ça reset. Mais on va pouvoir le faire monter de niveau plus facilement. Je sais pas vraiment de son à quoi vous voulez qu'on s'en serve. Ah oui, on peut les dupliquer, les super bonbons. Ça, j'y avais pas pensé. On le fera au cas où, duplication de super bonbons, on le fera au cas où... Si par exemple dans le cas où oui on aura des Pokémon claqués à faire évoluer mais qui montent de niveau trop rarement ou trop trucs comme ça, on dupliquera des super bonbons pour les faire monter. Je sais pas si vous avez vu la vidéo de Maître Armand notamment qui expliquait comment on super bonbon grâce à la comment on duplique grâce à la pension. Malheureusement on peut pas dupliquer de Master Ball parce que voilà, mais du coup, voilà, c'était franchement un tuto très intéressant et je le remercie, hein. N'hésitez pas à lui dire que je le remercie si vous vous en souvenez, hein, mais en tout cas, je le remercie de tout cœur, voilà. Pour ce tuto que je trouvais super bien expliqué, même comment il disait que le jeu réagissait pas bien ou ce genre de choses, des propos qui étaient tout à fait compréhensibles. Et franchement, je le félicite pour cette vidéo. On ne verra sûrement jamais, mais comme ça, c'est dit. Tac. Alors, on devrait faire passer Luxray devant. Là, parce que c'est un kinésiste, il me semble. Hein. C'est un psyman. C'est un dracologue, mince. Un Karmash, ah bah tiens. On aurait dû envoyer notre Karmash se battre contre lui. Luxray go. Ah, quoique Luxray, c'est peut-être pas le bon choix parce que. Puisque Karmash est type sol. Ah, c'est pas le bon choix, je pense pas. Je crois que c'est pas le bon choix. Ouais, ça n'a aucun effet. Mais j'aurais dû m'en douter. Oh bah, bon. Bref. Pourquoi il a pas fait évoluer son Karmash en Karchak Rock? Je n'en sais rien, n'allez pas me demander entre nous. Il y a beaucoup de choses dans ce monde de. Que je ne comprends pas. Et niveau 49, il me semble. Je suis pas sûr, mais niveau 49, je comprends pas. Bref, Kazuna niveau 62, c'est super paisible. Non, Kazuna n'apprend plus d'attaque hein, entre nous. Parce qu'il faudrait le faire évoluer, mais. Mince! On a plus de repousse du tout, là. De super repousse. Remonter. Ah, on l'a pas affronté. Il me semblait pourtant. Il y a quand même beaucoup de dresseurs. Hein. Beaucoup de dresseurs. Et tout ce qu'on n'aura plus de repousse, ça va être chiant après. Ça va vraiment être cancer. Du fait qu'on n'aura plus de repousse, bah, les Pokémon sauvages vont nous détecter toutes les 5 minutes. On a le truc pour limiter ça. Et ça va quand même être chiant. C'est ce que je peux vous dire. Avec Tata Cruel, il paraît d'oublier, toi. Nous, il n'y a pas de Tata Cruel qui tienne. Non, mais. Un gros lème. Ah, oh, on n'en avait pas vu. Ça, c'est parfait. Par contre, on n'a plus d'attaque de type. On a Pétisol. Il faudrait, oui. D'ailleurs, pour le Kadabra, je vais lui apprendre. Pas plein d'attaques qui lui seraient utiles. Notamment, il faut que je lui apprenne Écosphère ou des choses comme ça. Parce qu'il est, il a que des types 6 qui n'est pas réellement très cool. Ça lui fait quand même des dégâts. Sa défense, elle baisse. Non, sa vitesse, elle baisse. Mince. Repète de ça. Au revoir. Ok, clac. Ça a abusé le golem, il a quand même pas mal d'XP. Clac, sa vitesse baisse encore. Aïe. Bien joué, Karmash, ça ce qu'on veut. Il est seul. Ok.
pas de soucis. Presque. Pangoléon, parfait, on n'avait pas vu. On n'avait pas vu en plus. Luxray, c'est parti. À l'attaque. Parfait, plein de Pokémon qu'on n'a pas vu là, ça fait super plaisir. En fait, finalement, le Pokédex, ça sera plus facile que prévu, je pense. Du coup, vraiment, tant mieux. Il est quand même magnifique, le Pangoléon. Je regrette de ne pas avoir pris Tiplouf. Non, j'aime bien Simabas quand même. Maintenant, on aurait pu capturer un Tiplouf, il me semble, dans les grands souterrains. Est-ce que c'était si vil que ça? Non, je pense pas. Clairement, j'aime beaucoup les Léviator. Ah, moi, je vais te passer niveau 48. Tac. Salut, Valérie. Je comprends maintenant, tu comprends. Tu vas regarder ça, plutôt. Quoi? Charmache et boule. Allez, vamos. Allez, parfait. Ah là 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 là, on a un Karchakrok. Super, super stylé. Machouille, bah oui. Base de morsure. Clac. Parfait. Ah, c'est parfait là. Là, on commence à avoir une belle équipe. On va d'ailleurs donner une super bombe. Clac. On a peut-être dû donner à l'alligator, ça l'aurait raise aussi. Je sais pas trop. Ok, griffe raso. On peut savoir à quoi ça sert. Ça n'a type glace, rune sort. Spectre, pierre nuit. Ah ah. PV plus. Les coups critiques. On va donner ça à Karchakrok. Clac. Ok. Donc je trouve. Ah ok. Lui, il bloque un accès à la grotte que. Qu'on aura plus tard. Et il me semble qu'il nous sera quand même très intéressant parce que ça va nous emmener à la suite, en fait, tout simplement. Et il me semble qu'après la ligue, on débloque des endroits. Alors non, c'est pas par là. Par où c'est? Non, par là, y'a rien. C'est là? Ouais, par là. Par là, par là, par là, par là. Non, que le karatéka là-bas, on l'a combattu, hein, il me semble. Ok. Bon, ouais, je pense qu'on l'a combattu. On l'a combattu déjà, il me semble. Il me semble qu'on l'a combattu déjà. Xav, le Dracula, veut se battre. Ah, ouais. Il va falloir qu'on nous balance un Greek Note. Ah, il nous balance un Greek Note. Ah, Greek Note. Ah, mais Luxray. Il va pas faire le taf, Luxray. Intimidation. Machouille. Est-ce qu'il one tap? C'est possible, hein? Il n'a pas une défense incroyable. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Ouais, du coup, c'est tranquille, ça passe. Ok. Non, on change pas du coup. Je voulais envoyer car chaque rock, mais non, en fait, finalement. Clac, pas de soucis. On va juste machouille, hein. Ok, aucun souci encore une fois. Léviator, bah non, on change pas du tout, justement, on va pas changer. On intimide moi autant que tu veux, on attaque sur du spé. Plaque, étincelle. Pas de soucis, c'est passé. Sur la fin déjà.
Ah. Ok, on arrive à la ligue Pokémon. Alors, est-ce qu'on n'irait pas explorer encore un peu de la route victoire? Je pense, parce qu'on n'a pas, on a pas du tout regardé, c'est ça ce que je suis en train de te dire. Du coup, je sais pas trop. Mais je pense qu'on va pas faire la ligue de cet épisode, dans le prochain en tout cas déjà. C'est ce qui est sûr. La ligue est très stylée. Elle est en hauteur, etc. J'aime beaucoup. Je ferai le reste de la route du temps en off, en tout cas. Ce qui reste. Enfin, j'explorerai ce qui reste, en tout cas. Oh là 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 là. Ok, bon, la ligue elle commence comme ça. Alors, tes Pokémon sont si calmes, on ne dirait pas qu'ils sont sur le point d'affronter le C4. J'aimerais tous les contacts avec eux. On va déjà soigner nos Pokémon pour commencer. Ouais. Faut nous soigner, s'il te plaît. Merci. Merci. Et là, on va parler à cette dame. J'allais dire, se fout de moi. Je voulais acheter des repousses max, je voulais en acheter une vingtaine. Merci. Sinon, je veux rien d'autre. Ok. Bon, la ligue, bon, elle me fait pas trop peur pour le moment, de toute façon. Ok. Là, on va faire bah, totalement autre chose, je pense, pour finir l'épisode. Je vais pas trop tarder. Là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Dirigez-vous vers la ligue. C'est ça qu'il faut faire. Il faut la faire, hein, c'est clairement ce qu'ils nous disent. Mais on va avoir pas mal d'autres choses à faire, donc des choses que je voulais vous montrer plus précisément. Clac, 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 clac. Non, je n'ai pas envie de faire du bon Pokémon. Oui, déjà, alors avant toute chose, on va regarder notre Pokédex, voir ce qu'il si nous montre. On a vu sur Terra. On est à 134. 134, on y est presque en soi. Hein. Il nous manque pas grand chose, il nous manque le Alakazam, hein, bien sûr. Clac, 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 clac. Au début, il nous manque pas grand chose. Au début, il nous manque le Aptiren. Seribou, bon, je sais pas. Il nous manque le Beaudrive. Tac, 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 tac. Il nous manque Barloche, bon, bref, on s'en fout. Archéomyr, Archéodong. Il nous manque Riolu. Ah oui, alors il faut qu'on fasse le lit de fer. On l'a pas fait du tout. Alors, il me semble qu'il y a une quête de l'île de fer. Alors, je sais plus c'est où l'embarcadère. Il me semble que c'est à Joliberge. On va aller voir, on va aller se renseigner. Tant on fait la quête de l'île de fer pour finir l'épisode. Il me semble qu'il faut démolir quelques super de la Team Galaxy. Hein, c'est pas trop. Tac, 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 tac. Alors, je sais pas c'est où du tout la quête. Je crois que c'est là-bas. Je suis pas très sûr. Île de fer, allez, bah c'est parti. On va aller sur l'île de fer, on va aller un peu visiter tout ça. On l'a pas trop fait, donc on va en profiter. Hein. Très clairement, on va en profiter. Let's go. On l'a pas trop fait, on l'a pas fait du tout d'ailleurs. J'ai vu dans des vidéos qu'il y avait ça, et c'est notamment pour le Riolu. Parce que j'ai vu qu'on avait Lucario, pas le Riolu, il nous faut l'œuf de. Alors j'ai peur qu'il n'y ait pas la team Galaxy par contre puisqu'on les a battus mais je sais pas trop. Il y a encore un truc de la Galaxy. Ah ouais c'est ça le problème. C'est qu'en fait je suis en train de me dire, bah tiens, il n'y a pas la team Galaxy du coup. Du coup ça veut dire que j'ai pas de Riolu. Haha. Si quelqu'un dans les commentaires peut me dire. Porte sortie, bon, si tu veux. Là on peut passer par là. Passer par là. Ah. Alors si elle a pas, elle doit pas avoir de Pokémon ultra fou, je reviens. Bon les gars, bon du coup j'ai battu cette dresseuse et ben, du coup on va continuer notre exploration.
Let's go par ici. Ah! Ah non, c'est bon, c'est lui qu'on cherchait. Bonjour, comment t'appelles-tu? Izuki, enchanté, je m'appelle Armand. Je suis dresseur, et en effet, c'est un drôle d'endroit pour s'entraîner. Si tu le souhaites, on peut faire équipe. Les Pokémon sont agités par ici. Bon, j'accompagne Armand, visiblement. Si tu peux. Est-ce qu'on n'esquiverait pas ces deux personnages? Clac. Esquiver tout ça. Une hyperbole. Quand même, le mec qui nous suit, Armand, il a un sprite ultra stylé. Et c'est cette cinématique, entre autres, que je voulais déclencher. Donc, bah, j'ai envie de te dire tant mieux. Si on va devoir se battre là. C'est clairement sûr. Oh là, il nous bloque un peu, non? Je crois pas. Non, je sais pas. 5 Pokémon! À tout à l'heure. En haut, du coup, les gars. Alors, pourquoi je vous passe les combats? Tout simplement parce qu'en fait, ils ont des Pokémon du niveau 30. Et en fait, je ne savais pas ça quand on avait visité l'auberge, il me semble. Du coup, en fait, c'est un peu chiant, je peux pas mentir. C'est. Ah! Voilà ce qu'on cherchait entre autres. Mais du coup voilà, c'est un peu chiant dans le sens où on aurait largement dû faire ça avant et que bah, du coup on l'a pas fait. On a oublié, personne m'a prévenu. Mais du coup je savais que c'était comme ça entre autres qu'on récupérait l'œuf de Riolu. Tant mieux, j'ai envie de te dire. Maintenant, voilà, c'est un peu, non pas redondant, mais un peu. C'est-à-dire on doit battre les deux là, on est obligé. On vient de battre. Mais du coup, voilà, on est obligé de faire quand même ces dresseurs-là, malgré qu'ils soient niveau. Même pas niveau 30. Bah, là je peux vous laisser. Moi, vous verrez un peu les Pokémon de. Comment il s'appelle? De. Armand. Mais Armand est très stylé, genre. Son sprite est clairement incroyable. Bon, on va pas se mentir, il a un sprite incroyable, il est super super stylé. Je trouve, franchement, j'aurais bien aimé avoir un sprite comme ça. Entre nous, maintenant. Pas tous de la chance, hein. Ils sont censés tuer, hein. Mais Armand n'est pas très fort, en tout cas. Son niveau, il est normal, je dirais. Son niveau, il est vraiment normal. C'est une faute qui m'attaque moi, bah oui. Mais du coup je crois qu'il soigne mes Pokémon à chaque fois, Armand. Ouais, il soigne mes Pokémon à chaque fois, donc y a pas de soucis. Donc y a même aucun souci en fait, moi je l'aime bien. Hein. C'est pas assez centre Pokémon portatif. Clac, c'est moi qui ai découvert ta redoutable forme finale, bon si tu veux. Clac. Autrefois il y avait une mine assez prospère ici, une fer a dû finir par s'épuiser, il ne reste plus que des Pokémon. Ok, juste, j'aimerais bien faire passer les vêtements devant. Ça te dérange pas, bien sûr. Plaque. Non. Ouais, c'est là. Là, il y a un truc qui va jusqu'à rien. Il n'y a pas d'objet. Bon, autant pour moi. La théorie ne s'applique pas tout le temps visiblement. Ok bon let's go. Dernier combat normalement. S'ils ont beaucoup de Pokémon je passe. À tout à l'heure. Re bon enfin ça Pokémon c'était long. D'ailleurs qu'en plus lui là il sert à rien. Ça veut dire que en gros genre il a pas pu tuer un Pokémon quoi. Donc bon bref. D'ailleurs quand Charles le champion de l'arène de Gelée m'a demandé de devenir champion d'arène, mais son fils Pierre était tout aussi qualifié. Pour le poste. Ah bon? Imagine un combat entre deux dresseurs qui utilisent des Pokémon dissipatiers. Serait-ce un peu comme s'affronter soi-même? On dit qu'il est bien plus ardu de se vaincre soi-même que vaincre les autres. On va voir ce qu'il raconte un peu. Les Pokémon sont ensemble agités, j'aime pas cette dépression de nous. Tout s'éclaircit. Si les Pokémon sont agités, c'est à cause de vous. Je me moque des raisons de votre présence. Cessez de semer le chaos dans cette mine. On est à Team Galaxy, on peut prendre tous les Pokémon qu'on veut. Pas vrai, partenaire? Grave, et c'est ce qu'on va faire. Tous les Pokémon de cette vieille île de terre rouillée sont à nous. Ensemble, dans la joie comme dans la peine, c'est ainsi que vivent les Pokémon et les dresseurs de Sinnoh. Je ne vous laisserai pas pétiner ce grand principe. Allez, Zuki, donnons-leur une bonne leçon. Ça fait longtemps qu'on n'a pas affronté la Team Galaxy, ça fait longtemps, ça fait longtemps. Bien, ça fait 3 épisodes.
J'ai quand même voulu laisser le combat, c'est la Team Galaxy. C'est pas n'importe qui, c'est pas n'importe qui. Alors, franchement, je vais lui éviter de faire le sale boulot. Sachant qu'il a Lucario, je vais taper le Nosferapti. Taper le Nosferapti, au moins, on va lui laisser un peu de place. La vive griffe. Crado. Ouais, je vais attaquer au hasard, hein, on va pas se mentir, je vais attaquer au hasard. Ah, le vigré, faut encore une fois. Tant mieux. Bon, tu changes rien, normalement j'aurais attaqué en premier. Je suis fatigué. Alors, demain, soit je vous. Demain, c'est jeudi 25. Alors, soit je vous sortirai les épisodes un peu plus tard. Soit. Ouais, du coup, le soir, obligatoirement. Soit je vous ferai un live, je sais pas trop. Parce que j'aurais. Si j'ai le temps de tourner les épisodes pendant la nuit du 24, j'aurai vos épisodes. Sinon impossible. On les aura un peu plus tard, tant que j'ai le temps de les tourner en rentrant, c'est-à-dire épisode de 19h à 20h. Je pense que ça c'est possible, mais le reste sinon ce sera pour un retard. Enfin non, non, j'ai eu un retard pour l'épisode 17, mais sinon le reste, voilà, on a été irréprochable. Malheureusement là, cette fois-ci ça va être plus compliqué que prévu, voilà. Juste pour vous prévenir. Clac. Et là, faut que je sorte les épisodes que j'ai tourné aussi. Du coup, voilà. Parce que j'avais programmé pas mal d'épisodes et c'est pour ça que pendant quelques temps, je me suis pas trop occupé de la chaîne YouTube. C'est-à-dire pendant 3-4 jours, j'étais là. Je regardais juste les vues, mais du coup, voilà. Parce que je tournais déjà les épisodes en avance, tout simplement. Voilà. Clac, on a battu Team Galaxy. Stop pitié, vous deux et vos Pokémon, vous êtes trop forts. On se tire, partenaire. Sauf qui peut. Je te dois une fière chandelle. Écoute, j'ai un œuf de Pokémon sur moi, accepte-tu d'en prendre soin. Oui, tu vas découvrir le monde. Envoyer la bonne PC. On s'est très bien débrouillés tous les deux, je compte également mettre ma force à l'épreuve en voyageant de toutes sortes d'endroits. On se reverra peut-être, mais fais attention sur le chemin du retour. Pourquoi par là ça descend? Donc, on va aller voir en 2-2. Ok, il y a encore une grotte. Ouais. Clac. Pierre éclat. Ah bah tant mieux. Tant mieux. Clac. Hop. Et voilà. Voilà, on se dit qu'il va. Voilà. On retourne. On va un peu fausser compagnie au marin. On va directement voler par là. Pas se mentir. Donc voilà les gars, c'était Izuki, on se retrouve pour le prochain épisode à la Ligue Pokémon. Et après pour du post-game, hein, on va faire de post-game. En tout cas voilà, c'était Izuki, n'oubliez surtout pas comme d'habitude le like, l'abonnement et le commentaire, ça ferait ultra plaisir si la série, si vous kiffez la série tout simplement. Et voilà, on se retrouve demain pour le prochain épisode. Bye tout le monde.